On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, direction Auteuil, week-end de l'obstacle. Donc on démarre avec le prix Cacao qui est à l'honneur, un steeplechase, 16 chevaux au départ sur la distance de 4400 mètres. Terrain normalement annoncé lourd à très lourd, donc il faut jouer absolument les nageurs. Vous savez très bien, petit pouce bleu sur les vidéos. Et nous, c'est parti les amis, les bases de jeu. Donc en premier, sur mon pronostic, je démarre du 6, c'est Campero. Raymond Lee, O'Brien qui est à la monte, François Nicole qui est à l'entraînement, vainqueur de son unique essai sur ce tracé-là, donc très bien. Va dedans lourd, aucun problème. A fait une rentrée de 4 mois dans le tiercé du Putois fin septembre, donc je pense qu'il avait besoin de ça pour se remettre en route. Je pense que ça a dû être visé. Pour moi, j'en fais mon gagnant. Deuxième base, le 3, Confertiti. Régis Schmilden qui est à la monte. François-Marie Cotin qui est à l'entraînement. Vainqueur de cette course en 2018. Troisième en 2017. Va en bon terrain, entrée souple en lourd. C'est une vraie voiture de course. A eu son tiercé en 59 de valeur au mois de juin. Ensuite, deuxième qui répète. Petite course de rentrée, troisième. Dans le tiercé donc, que j'ai pris en note parce qu'on retrouve Vic Royal, Diamond Charn et puis Iris qu'on va retrouver dans le prono. A couru le Montgomery, donc je pense groupe 3 trop dur pour lui, revient dans une course plus à ses aptitudes. Je pense qu'il a largement sa place dans les 5 premiers. On passe à mon coup de cœur dans le placé 3ème, j'ai mis le numéro 10, Diamond Charm, c'est un 10 ans. Alain de Chitré qui est à la monte, Jean-Philippe Dubois, écurie Victoria Dreams, 60% de réussite sur le tracé, adore cette distance-là, aime bien le gras, donc ça sera bon. Lui par contre est souvent tout ou rien, donc c'est plus un coup de poker que un coup de cœur, mais voilà, gros week-end de l'obstacle, grosse écurie, moi ça me plaît, j'ai gardé très haut. On passe à mes outsiders, donc à la place de 4ème, j'ai mis le 5, Doudingue, un 6 ans, Louis-Philippe Prand qui est à la monte, Etienne et Grégoire Lenders qui est à l'entraînement, 2 sur 3 sur le tracé, 2 quintés, 15ème, puis arrêté en début d'année, mais ce que j'ai aimé, c'est ces deux courses à Auteuil, une sur la distance et une sur 3500 mètres. Sur la distance, il fait deuxième d'écho de Chamdou, le même écho de Chamdou qui a répété et qui a battu un cheval comme Sanson, donc placé de groupe 3. Donc c'est très bien. La fois suivante, gagne son petit handicap très facilement sur le plat. Sur la forme, bon là, il arrive en 60 de valeur et il a pris 8 livres dans la boîte. La forme, plus le lourd, il adore. J'ai gardé très haut aussi. Deuxième outsider, ce 14. Eris, Dylan Ubeda qui est à la monte, Chotard qui est à l'entraînement, 5ème de la course de référence que je vous ai dit, donc celle de Vic Royal. Premier tiercé, place de 4ème, 100 mètres de plus à Clairefontaine. Sur la distance proposée le 28 septembre, 5ème courant très bien. On aura du mal, je pense, à gagner, mais suffit que je dise ça pour que la jument en fait te pète la course à 15€. Mais je pense que dans les 5, elle peut avoir sa place. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6ème, j'ai mis le numéro 2. Faubourg Rose et Gris, Clément Lefebvre, Gabriel Lenders à l'entraînement. 2 sur 5 sur le tracé. Un bien le lourd, sans plus. Voilà. Peut-être meilleure entrée souple. Le cheval, deuxième course après une grosse rentrée, a bien couru pour sa rentrée, donc super, mais a déjà bien fait une deuxième course après une grosse rentrée, donc pour lui je pense pas que ce soit un problème. 72 kilos, mais dans une sélection ça se garde en 8. Ensuite le numéro 11, Costi Gretti, un nombre de 7 ans, Thomas Bourin qui est à la monte, encore Lenders qui est à l'entraînement, a beaucoup déçu donc dans la course de Vic Royal, donc du quintet de fin septembre, était très très attendu. La fois d'avant, deuxième très bien sur ce tracé là, vu que c'est un cheval qui aime bien le lourd, je pense qu'il va
retrouver des conditions mieux pour lui, je lui redonne du crédit pour ce quintet là. Et pour finir en 8, eh bien, j'ai mis le numéro 8, Matt Maker, 2 sur 2 sur Auteuil, Johnny Charon qui est à la monte, Donatien sur dos de Beauregard qui est à l'entraînement, débute sur le tracé certes, mais 100% de réussite à Auteuil, il vient de gagner une course pour une semi-rentrée sur Nantes. Alors moi j'aime bien quand tu fais de Nantes sur Auteuil, moi ça me plaît, lui par contre adore le lourd, c'est tout bon, ça se garde en 8. Si un cheval qui reste au box, eh bien, j'ai mis le 13, Tuesday, Benjamin Béranguet, c'est un 5 ans, Dominique Bressou, la Kazakh, c'est Papo, donc il y a tout pour plaire, 50% de réussite à Auteuil, débute sur le tracé certes, des courses très très peu, adore le lourd, mais vient de, voilà, vient de courir dans des lots beaucoup moins forts. Mais sur la forme, dans une longue, ça se garde, les amis. Et mon seul regret, le 12, une nuit premier cru, Félix de Gilles, Emmanuel Clayeux qui est à l'entraînement, débute à Auteuil, mais ça arrive en pleine forme, adore la distance, adore le lourd, voilà, mais voilà. Dans ce genre de course, il faut faire des choix. Ça se met bien sûr dans un champ réduit. Mes deux impasses, le 16, Casino des Bois, le plus petit poids. À ce niveau-là, j'y crois pas. Je serais très surpris de le voir dans les 5 premiers. Un seul quintet, donc 6e sur Pau. Vient de faire une course de rentrée. Voilà, franchement, dans ce quintet-là, j'y crois pas du tout. Et le 4, deuxième impasse. Le Mans, Nicolas Gofnik, c'est un Windriff. Le Mans a tout pour plaire dans ce quintet-là, mais je pense qu'il prépare les courses de Cannes-sur-Mer. Peut-être que je me trompe, mais moi, ce sera donc pour moi. Voilà, le quintet, c'est fini. On passe au débrief du quintet du jour avec des bonnes choses. Donc un 3 sur 4 au pronostic et un désordre en 7. Dommage, ça paye pas des masses. Alors le 8 qui s'impose, ma première base, Plant Love, donc c'était sa course. Donc ceux qui l'ont joué en simple, non, moi, enfin, c'était le jeu à faire. Le 3, Lacanche, mon deuxième outsider, place de second, qui fait sa course dans le gras. Le 7, Vespera, donc, que j'ai placé 7e, qui arrache la place à la photo. Au 10, qui est notre 2... Notre premier outsider, changement de monte. Alors ce que j'ai expliqué la dernière fois pour The Right Man, quand c'est favori, changement de monte, moi j'aime pas. Changement de monte, dès que c'est un cheval à 15 ou 20 euros, j'aime bien. Pour preuve, place de 4e. Et la 5e place pour la Putanesca, qui court très bien, mais le poids, ça commence à être dur. Ma deuxième base, le 2, Calaconta, donc le numéro 16, je craignais pour ça, finir à la place de 11e, à reprendre pour une prochaine fois. Voilà. On passe notre cheval du jour. Jeudi 31 octobre, en réunion à course 1, donc je donnais le 4, Blackburnwood, donc ça court ce soir à 18h, donc on espère que David Beckert nous sauve les miches pour le mois de septembre, sinon c'est à perte. Pour samedi 2 novembre, en réunion 4, course 7, Châtelet-Layon, La Rochelle, une piste à gauche, assez roulante, un peu dur de rendre les mètres, mais ça se rend, donc je vous mets donc le dessin, 0 de piège, voilà. Sur ça, j'ai juste ça à dire, donc je donne le 8, Emilio Bello, 5 gagnants, 20 placés, ça rend les mètres, mais je vais y venir, tout simplement que dans la course, devant ils sont 4, derrière ils sont 9, donc autant dire que les chevaux qui sont devant, c'est presque cuit pour eux. C'est un cheval qui a 2 courses sur ce tracé-là, 2 victoires, des fers et des postérieurs, Antoine Wells, donc... Forcément, c'est du Marmion, vient de faire une course de rentrée gentiment au Sable d'Olonne. Les 2 courses qu'il a courues à Châtelet-Layon, il a rendu 2 fois les mètres. Une fois très facilement, deuxième fois, ça a dû bagarrer. Ce fils de 4 juillet, donc souche du bois. Une petite course de rentrée, je pense que ça a dû être visé. Si le cheval y trotte, je pense qu'il a largement sa place dans les 3 premiers. Un cheval qui m'embête dans cette course-là, c'est le 11, le cheval de Bourlier. Sinon, normalement, dans le lot qu'il y a, ça a largement sa place dans les 3 premiers, voire mieux. À toi, Antoine, de jouer. Voilà. Nous, les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour le tiercé dominical. Je vous souhaite un bon week-end parce que c'est un week-end de 3 jours pour ceux qui nous ont travaillé donc la semaine. Un bon visionnage, de bons gains, les amis. Merci à tous. Ciao! We'll be right back.